Je recherche depuis 45 minutes, je la cherche. Et tu vois, Picasso, que ta mère déteste cet homme. Lui, il ne le cherchait pas. Il trouvait, et il aurait été là, Picasso. Il y a longtemps qu'il aurait trouvé l'entrée du parking. Oui, il a connu par cœur le prospectus. Le prospectus qu'on distribue à l'entrée, il aurait cité pendant la visite. Un prospectus gratuit. Et lui, Pierre, pour 15 euros, il aurait pété aux gens. Sans compter le pourboire. Tu te rends compte, l'arnaque? À Toulouse. À Toulouse. Putain. Et crois-moi, les gens qui ne ressentaient pas, ils ne ressentaient pas plus quand Pierre avait terminé. Ah, ça m'étonnerait. J'ai le style de l'artiste, sa patte, nettement. J'ai l'impression que je suis plus... plus nuancé, non? Peut-être un peu, oui. Quand même, genre, j'ouvre les yeux. T'es mieux, c'est vrai, t'es mieux. On n'a pas été à Picasso, ok? J'espère bien, je déteste ce type, tu le sais. Seulement, il y avait toutes les places qu'on voulait à l'étage Picasso. Ah, tu m'étonnes. Et on se serait parqué à Picasso, alors qu'il est. On serait où elle est la voiture? Elle serait à Picasso, le peintre qui n'aime pas ta mère. C'était un très bon moyen mnémotechnique. Et Vato, c'est pas... Quoi? L'homme avec le manteau? Je l'aime bien, l'homme avec le manteau. Mais on l'a pas déjà vu? Si, à la cafétéria, il mangeait une glace. Ah, mais il n'y a pas de comparaison. Là, il est magnifique. Karl Paulin est passé par là. Et nous, on doit être mieux aussi, non? J'ai l'impression, qu'est-ce que tu en penses? Nous, on peut pas s'en rendre compte, on se connaît trop, Gisèle. Ah, moi? Tu connais pas Toulouse en plus? Non. Tu sais, Jean-Louis, par moments, je te ressens pas, hein?